Le dimanche 18 février va être un jour important pour un groupe de personnes particuliers qui se retrouvent pour ce que nous appelons l'appel décisif. Le dimanche 18 février est en effet le premier dimanche de carême, de cette étape qui nous mène jusqu'à Pâques, avec une préparation de plus en plus intensive à nous réjouir de la résurrection du Christ. Pâques est, vous le savez, l'occasion privilégiée aussi du baptême des adultes. Ce groupe auquel je fais référence, c'est le groupe des catéchumènes. Ils sont à l'heure actuelle une trentaine qui, pour notre diocèse, vont être plus particulièrement tendus vers cette célébration de Pâques parce qu'ils vont y recevoir le baptême. Le plus jeune a 17 ans, le plus âgé 70 ans. C'est une joie pour nous. Nous pouvons nous associer à eux et les porter dans notre prière, les accompagner aussi tout au long de cette longue étape du carême, et enfin les accompagner dans la joie d'être baptisés. Ils deviendront des néophytes, c'est-à-dire de nouvelles plantes qui pourront fleurir pour la gloire de Dieu.